Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le cinquième dimanche de Pâques et la lecture d'aujourd'hui parle de la révélation d'un monde nouveau et de l'accomplissement du plan de salut de Dieu. L'histoire du salut est l'histoire de l'amour persistant de Dieu, de la façon dont il ne nous a pas abandonnés, même si les gens l'abandonnent à maintes reprises. Dieu se souvient de sa promesse, de son alliance avec Israël pour en faire son peuple élu qui apportera sa lumière au monde. Jésus fait une nouvelle alliance avec nous, le nouvel Israël. Il le fait par l'Eucharistie et par le nouveau commandement. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est plus intense que d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous sommes appelés à aimer les gens avec l'amour divin, pas seulement avec l'amour humain. Nous ne pouvons aimer ainsi que parce que Dieu nous a aimés en premier. À la fin des temps, le royaume de Dieu viendra dans toute sa plénitude. Dans l'Apocalypse, Jean écrit à propos de ce nouveau monde, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le ciel et la terre se rejoignent dans une nouvelle ville que Jean appelle la Jérusalem nouvelle. C'est un endroit où Dieu vit avec son peuple, où nous serons libérés de la tristesse et de la douleur qui viennent du péché,
Nous sommes remplis d'espoir en cette période de Pâques, car le nouveau monde a commencé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.